car pour moi, une société qui n'aurait pas de devoirs, ce serait une anarchie, mais une société qui ne comporterait pas assez de droits, ce serait une tyrannie. Esther Fromont, élève de terminale, tente de convaincre le jury. Si on veut réellement essayer de freiner ces changements climatiques, il faudrait des changements drastiques. Un oral qui a pour thème « Citoyens d'aujourd'hui et de demain, quels sont les droits et les devoirs que cela comporte? Comment concevez-vous votre rôle dans la société ?» Et étant une femme, donc une citoyenne... De quoi mettre en avant la place de la femme, l'écologie, les milieux défavorisés? Autant d'idées inspirantes pour la lycéenne. Notre sens du devoir est personnel. J'avoue que les idées que j'avais posées ont été exposées de la manière dont j'avais souhaité, donc ça me rassure. J'avais peur d'avoir oublié des choses, mais je pense avoir évoqué tous les éléments que je souhaitais évoquer. Dans quel sens voulez-vous agir, s'il vous plaît ? Ok, alors... Deux salles d'audition pour 10 candidats représentant 5 lycées situés à Fontenay-le-Comte, Luçon et Chantonnay. Bien parler pour réussir, c'est une chose, avec des critères qui ne sont pas à prendre à la légère. L'informatique et aux réseaux sociaux. Nous avons 4 critères, je peux vous les citer, sur la présentation physique, bien sûr. Nous avons sur la forme, sur le fond, c'est quand même la base de toute intervention, et puis l'impression générale avec, entre autres, la pertinence de l'argumentaire présenté par le candidat et sa force de conviction. Il n'y a pas de réponse toute faite. Toutes les réponses sont bonnes à condition qu'elles soient bien argumentées. Je suis un peu stressée, mais normalement je connais mon texte, donc normalement ça devrait faire. Un oral de 10 minutes, suivi d'une série de questions du jury, pour une finale de l'arrondissement de Fontenay-le-Comte. Je me devais de me pencher sur le sujet. La finale départementale de ce concours d'éloquence se déroulera le mercredi 8 février au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.